Mes amis de Martine, les grandes vacances. Anne-Françoise, Gaspard, c'est l'été. Anne-Françoise et leurs parents passent les vacances sur une petite île. On ne peut y accéder qu'en bateau. Cet endroit est magnifique, s'émerveille Anne en découvrant le paysage. Et en plus, il fait un temps splendide, ajoute Françoise. Le voyage a été si long qu'après le dîner à l'hôtel, toute la famille est allée se coucher et le lendemain matin, au premier rayon du soleil, cette nuit m'a fait du bien, annonce Anne. Je suis en pleine forme. Alors venez prendre le petit déjeuner, dit papa. Et après, nous irons explorer l'île. Dehors, la mer bleue scintille, sous un ciel sans nuages. Anne, ma chérie, appelle maman. Viens, je vais t'aider à fermer les boutons de ta robe. Pendant ce temps, Françoise, trop impatiente d'être dehors, se dépêche d'attacher ses sandales. Tout le monde est prêt. C'est parti. Il est tôt, mais il y a déjà du monde sur la plage. Les filles s'installent sur le sable, sous un palmier, avec papa et maman. Regardez là-bas, s'écrie Anne. Que font ces gens sur les barques? On dirait qu'ils se battent. Ce sont des joutes nautiques, explique papa. Il faut faire tomber l'adversaire à l'eau en le poussant avec une lance. Un peu plus loin, des voiliers sont amarrés. J'aimerais tellement savoir naviguer, murmure Anne. En apercevant des enfants à la proue d'un bateau. Voguer sur l'eau, aller où le vent nous mène. Ça doit être merveilleux. Les canards aussi aiment faire trempette et rêver de voyage. Mes deux garçons s'amusent à les chasser. Même en vacances, les pauvres bêtes ne sont pas tranquilles. À l'heure de déjeuner. Au restaurant de l'hôtel, les filles se font un nouveau copain, Gaspard. Tu pêches des châtaignes, s'étonne Françoise en voyant une boule d'aiguille au milieu des palourdes. C'est un oursin, explique Gaspard, un animal marin, cousin des étoiles de mer. Et ça se mange, s'étonne Anne.
Bien sûr, répond Gaspard, mais moi je préfère les remettre à l'eau. Le soir venu, des notes de musique résonnent dans le village. C'est le bal du 14 juillet. Allons danser, s'écrient Anne et Françoise, en courant vers la foule. Il y a des adultes et des enfants, et la place est magnifique, décorée avec des petits drapeaux et des guirlandes de lumière. Une vraie ambiance de fête. Le lendemain, la famille se rend à la grande plage. Gaspard s'y trouve déjà. « Ah, vous voilà! Allez, allons !» s'écrie le garçon, en attrapant Anne par la main. « Mais attention de ne pas marcher sur des oursins !» prévient la fillette avec prudence. « Je vais te les montrer au fond de l'eau, » propose Gaspard. « J'ai pris mon masque de plongée et le tuba pour respirer. » Les deux amis se dirigent vers une petite crique. « Allons vers ces rochers. Tu vas voir sous l'eau. Les couleurs sont extraordinaires. Je te prête mes palmes. Avec ça, tu vas nager aussi vite qu'un poisson. » En fin d'après-midi, les adultes font une partie de pétanque. Sur la place du village, les enfants doivent se contenter de regarder parce qu'ils ne savent pas jouer. Soudain, Anne entend une voix. « J'ai perdu mon papa !» C'est un petit garçon à vélo. Il a l'air très inquiet. L'important, c'est de ne pas paniquer et de ne pas s'éloigner. Je suis certaine que ton papa te cherche lui aussi. Tiens, là-bas, je vois un monsieur tout aussi perdu que toi. Ce ne serait pas lui ton papa? Oui, c'est lui. L'enfant retrouve le sourire. Il file sur son vélo. Et si je continuais à me promener? Pense la fillette. Ce sera plus amusant que de regarder les adultes jouer sans moi. Papa et maman lui donnent la permission de faire un tour. Anne s'approche du port et aperçoit un grand bateau de pêche qui vient d'amarrer. « Bonjour, monsieur, » dit-elle au capitaine. « Salut, jeune fille, que fais-tu ici? Mes parents font une partie de boules de pétanque. Moi, je ne sais pas jouer, alors je visite le port. » Et si je t'apprenais la pétanque? Anne est ravie. Le marin réunit quelques amis et la leçon commence. Pour viser, il faut bien fixer le cochonnet
et garder le poignet souple en lançant. Anne se concentre et atteint presque sa cible. La fillette passe une heure à s'entraîner et s'amuse beaucoup. « Merci, dit-elle au vieux pêcheur, je vais apprendre les règles de ce jeu à ma sœur et à mes amis. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Quelques minutes plus tard, les enfants sont lancés dans une grande partie de boules de pétanque. Papa est venu admirer. Il regrette de ne pas avoir pris ses filles dans son équipe. Déjà la fin des vacances, Anne-Françoise et leurs parents font leurs valises pour rentrer chez eux. L'hôtel leur a réservé une dernière surprise. C'est un chauffeur en uniforme qui vient les chercher au volant d'une ancienne voiture décapotable. Les fillettes ont l'impression d'être des princesses à bord d'un carrosse. La famille embarque et le bateau s'éloigne lentement sur l'île. Salut Anne, salut Françoise. Les filles se retournent. C'est Gaspard à bord d'un voilier avec son frère et sa sœur. Salut Gaspard, à l'année prochaine, on reviendra. C'est promis.